on a utilisé Romeo 1 ainsi que India 1. On a eu la chance avec Chabot de reprendre la ville de Dolores pendant que Plante était en charge de Romeo 1 pour faire une wiki sur Ortego. Romeo aussi éclairait la vallée afin de pouvoir qu'on puisse faire une belle zone de LZ sécuritaire. Donc aujourd'hui, notre objectif va être sur Ortego. Pourquoi? La wiki de Romeo 1 a repéré des zones de Gilles Tremblay, des PMC qui sont situés à l'intérieur de Ortego. Ceux-ci ont construit un avant-poste fortifié, ce qui veut dire les tours en métal que vous avez vu la semaine passée, mercredi lors du training, c'est le même type de fortification que les hommes de Gilles Tremblay ont User joined your channel. À leur disponibilité. Romeo 1, en plus de ça, a vu plusieurs snipers dans la zone. Donc, ça va être très important de, lors des déplacements, de faire des déplacements rapides et à couvert. Aujourd'hui, India 1, qui va sur les charges de Plante, va s'occuper de tout ce qui est covering pour India 2. India 2 va faire le gros de la job de CQB, qui va te prendre Ortego. India 2 aura la job de prendre le campan à l'intérieur de Ortego, la fortification. La fortification est vraiment au centre du village. India 2, sa job, c'est de prendre ça. Une fois qu'India 2 aura pris la fortification, c'est que les hommes de Gilles Tremblay sont à l'intérieur. India 1, à ce moment-là, viendra link up sur Ortego et procédera à l'investigation générale de la ville afin d'y ramasser des informations. Le LZ pour les deux sections va se faire sur la coordonnée 110-130. Je redis 110-130. On va utiliser le processus de Alive, c'est-à-dire deux Blackhawks qui vont venir nous chercher ici même sur le village de Ramadi. On est déjà là. Good. Encore mieux. India 2 va venir se positionner sur l'overwatch numéro 2, coordonnée 119-133. Je redis, India 2 va venir se positionner sur l'overwatch 119-133 afin de se positionner avant l'attaque. Très important, ne pas crester. On est très proche de la zone d'ennemi. On est à peu près à 200 mètres de la zone ennemie. Ah ouais. Pendant ce temps-là, India 1 va venir se mettre dans le haut de la vallée au nord, coordonnées 1-2-2, 1-2-6, 1-2-2, 1-2-6, afin de donner une couverture et un tir de suppression à India 2 lors de l'assaut. Une fois qu'India 1 sera en place, il va commencer à attirer l'attention de son côté. India 2, à ce moment-là, procédera à l'attaque du campan. Une fois que le campan est pris, on link up ensemble, investigation de la ville, Ortego. On link up, on vérifie si on a des blessés, on patch tout le monde, parfait. On rappelle les forces américaines pour garder la position d'Ortego. Une fois ça va être fait, on va aller chercher plus au nord, nord-ouest de notre position, sur le top de la vallée de San Antabel, coordonnées 114-118. Le pourquoi on va aller là, la semaine passée, les Américains ont été légèrement débordés par les forces du groupe rebelle dans le secteur du village de Bonanza et de Corinto. India 1 et India 2 vont juste procéder à la vérification, vérifier si les Américains n'ont pas besoin de renforts. Si les Américains ont besoin de renforts à ce moment-là, ils n'ont pas la situation en main. On va procéder à l'assaut de Bonanza et Corinto. Si tout est contrôle américain, on va aller investiguer le petit campan. User left your channel. User joined your channel. 119, je redis. 123-119. Faire du repérage pour le village de Corazol. Tenez position. Appeler des forces américaines. Puis par la suite, faire plaisir à JP pour retourner sur la FOB canadienne. Coordonnées 078. 1-2-6. Je vais dire à la forme canadienne avancée 078-126. Force alliée. On a les Américains qui sont toujours dans le coin de Parezo. Le seul support qu'ils peuvent nous apporter, c'est quelques petites sections, une section avec quelques Humvee, juste pour faire une présence. Aucun renfort en tant que tel.
Pour aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas de support aérien, pas de support de drone non plus. Donc, on est vraiment laissé à nous-mêmes pour aujourd'hui. Salut pour le début, c'est, je vais me link up avec India 1 pour la première phase. Étant donné qu'on n'a pas de commandant en chef aujourd'hui, indisponible de l'avoir, indisponible d'avoir des drones. Donc, on va se concentrer. Sunray va rester au sol pour diriger. Les moyens de transport, ça va être par Alive, par les deux Black Hawks qui sont déjà à Ramadi pour nous transporter. Aucun pilote attaché à notre section, aucun hôtel 1 et 2 pour aujourd'hui. Question? C'est à quelle heure? Une opération de nuit ou Opération du jour. Juste mentionner, JP a soulevé un bon point. Les hommes de Gilles Tremblay, c'est des mercenaires. Du monde des anciens personnels, des forces, des anciens Rangers, Marines, des forces américaines, des anciens des hommes du R22R au niveau des forces canadiennes, du GTF2. Donc, c'est du monde entraîné, c'est du monde qui a du matériel laser, NVG, infrarouge. Donc, mission de nuit n'est pas avantageuse pour nous. Donc, assaut de jour. T'as pas de questions, JP? Good. Question? Planche à bas de vos sections. Je vous laisse 10 minutes pour vous préparer. Good. NGR, là, côté nord, là, tout le monde. Parce que Overwatch 1, t'as découvert en flamme montagne, en pente descendante, puis le plutôt radio est un peu plus proche de la ville, mais au moins on est vraiment en altitude. On va pas être sur le top. Ouais, User 61 left your peut-être. channel. Ouais, c'est ça. User joined your channel. La ville, la route, parfait. C'est ça notre plan. Tu veux-tu faire Fallen? Ouais, donne-moi 2 secondes. Excuse, mon micro t'a coupé. Oui, Ramsey? Tremblay, excuse. Parle pas. Entends pas. Tremblay, va voir François. User disconnected from your channel. Là, tu m'entends-tu? Là, je t'en galère. India 2, Fallen for Battle. J'ai eu Couture Alpha 2, TCCC, yes. Groupe d'assaut numéro 1. Conan Alpha 3, C9, groupe d'assaut numéro 1. Corrado Charlie 3. T'es pas sa radio. Corrado Charlie 3. T'es pas sa radio. C'est 4 à 1, c'est pas 3 à 1. Je te pesais sur 2 sur ton clavier numérique. Fonctionne-tu là? Yes sir! Alright, Corrado, Charlie 2, ça a l'air. Et Charlie 3. Le plan Charlie 1 a fusillé groupe d'assaut 2. La Rock, Charlie 2, Rifleman, groupe d'assaut 2. Fontaine, Delta 2, C9, groupe d'assaut 2. Corrado, JP Gauthier, Second IC, Delta 1, groupe d'assaut 2. Shabbat, First AC, Rifleman, groupe d'assaut numéro 1. Messieurs, on enlève les silencieux, on enlève les night vision de sur vos têtes, on met ça dans le cap, dans le, voyons, le pack sac. Bugs? Puis, t'es-tu au courant de ce qu'on va faire? En tout. Tu veux garder ça de même pour le suspens? Ah non. Défonce les portes, pour tuer l'ennemi.
Ouais, piu, piu, piu. Ça ressemble à ça. Non, hey, la formation, mettons, en mieux, je vais vous expliquer vite fait. Là. Bonne question après Shabbat. Ouais, vas-y. On amène-tu des M84 supplémentaires vu qu'on brichait pas mal? Oui. On va en avoir 3 de plus par personne. En veux-tu sur Delta aussi de plus? Ouais, tout le monde. Ça devrait être assez simple. Là. Dans le fond, j'ai marqué des points rouges dans le groupe. Le point le plus au sud, qui est notre drop insert, coordonnées 112-146. À peu près là qu'on va se faire dropper. On va traverser la ville, les deux ponts. On va se rendre jusqu'à I2 standby, coordonnées 117-142. On va attendre là que India 1 soit placé, notre Overwatch. Où, je vais confirmer ça avec Sunray. Et après ça, on va aller faire l'Overwatch sur la ville de Ortego à coordonnées 119-133. On va prendre d'assaut la ville avec India 1 qui va nous couvrir. Ensuite, on va s'occuper des deux objectifs au nord. On va avoir un Overwatch pour être sûr que les US sont corrects. Puis on va finir avec l'assaut d'objectif 2 si on a le temps. Fait qu'on va procéder, comme ça, j'imagine, pour se rendre sur... Vois-tu mon point, Sam? Ouais, ouais. Il y aurait plus comme ça, ici. Ouais, ben c'est ça, là. C'est le low ground. C'est trop ouvert, là. Ouais, c'est ça, ici. Là, c'est long, là, c'est low ground, comme ça. Là, ici, il y a un début de montagne, fait que ça, j'imagine, c'est une vallée, là. Fait que si on peut faire une mini... Overwatch ici avant de traverser là, pour checker pour être sûr qu'il n'y a rien là puis qu'il n'y a rien en haut ici pour pas se faire backstabber. Ou ici là, regarde, on passe par ici, on s'en va là. Ouais, ici, je sais pas si on va voir. On devrait voir lui peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être, je sais pas, on verra celui-là. Peut-être dimanche passé avec Romeo, on a détruit une patrouille là, je sais pas s'ils vont avoir envoyé du renfort pour les remplacer là. Ah, ben, c'était un bon point. Ouais, on va garder un œil là-dessus. Question, problème? Ouais, date là. Ça, c'est notre point d'insertion. Ouais. Aussi. C'est ça l'autre. Ah, oh, il garde les marqueurs dans les. Ah, oh, c'est donc bien fantastique. C'est quoi? Non, eh, ben, parce que je suis en train de checker dans le menu à live pour pouvoir te dropper où ce que tu veux. Là. Tu vas être droppé dans la cour ou tu vas être droppé un peu à l'extérieur? Un petit peu à l'extérieur, je te dirais. Là. Proche de la route, là. Tu voulais aller faire un petit tour avant dans le quadrilatère, ben, sur la montagne, dans le fond, qui est à 117-2-1-3-3-9. À gauche de la vallée, finalement, que tu parlais tantôt. Ouais. Juste pour être sûr qu'on se fasse pas. T'sais, normalement, on devrait le voir, là. Ok. Non, c'est parce que je suis en train de rentrer des points dans mon micro dagger, là. Fait que je lui donne des noms, là. Ouais, je vais te donner un... Inéopi. Je vais te donner un bush encore. Là. L'autre ici, ça c'est OP. Pre. Overwatch. Et ensuite, ça. Bon, est-ce qu'on amène des chargeurs additionnels? Est-ce que l'objectif est bel et bien à coordonner 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 5? Ou si juste il y a un marqueur dans le centre de la ville? C'est la ville, là. C'était vraiment juste pour dire... C'est bon. Moi, je peux vous confirmer que le chemin... L'endroit où est-ce qu'on voit le petit indice là, d'autobus, c'est une ruelle dans laquelle il y avait le camion américain parqué. Qu'on a pris en photo avec Roméo la semaine dernière.
Ok. Il était dead on sur le signe. Puis le plateau comme tel. L'autre, c'est ici, là, la tour est là. Et ouais. C'est pas plus 7 Non, moi j'ai pas mal de feeling que c'était là. Ouais, ok. Ok, dans quel coin tu disais? Ben, j'étais sur mon micro. Moi je pense, ah, moi, je pense que. Ouais, décale d'une rue, je pense que t'as raison. Ouais, le truck, de ce que je me souviens des images satellites, là, le truck est à peu près ici. C'est une ruelle ça? Ouais, à peu près. Non, il est à peu près ici. Et la tour est ici. Ah oui. Ouais, je reconnais. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis là. Pas de même. Non, c'est tout à fait. Clin d'œil, clin d'œil. De toute façon, on va le voir là de Overwatch. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est quand même assez gros, on va le voir assez flagrant. Fait que c'est quoi tes ordres pour les mags supplémentaires puis les grenades supplémentaires? C'était 3, tout mais... 3M82. Ah bon? T'as peu. Ok. On mine dessus ou on mine pas? Quand c'est en courant. Pas tes ordres pour les mags supplémentaires, tu veux-tu laisser 9 avec des mags supplémentaires? Tout le monde prend des M83x3. Ah, M84x3. On va faire la tranchée, là. On va se faire un bunker. Non. On prend pas de M84 et C9? Non, mais ben, tu vas avoir assez lourd avec ton chargeur de plus. Okay. Il y en a trois à terre. Ah, Pascal, j'ai une. Ah, j'ai déjà pris, j'en ai déjà un tour. De quoi? Un chargeur supplémentaire. Ah, ben les gars, let's go, on va chercher ça. Je vais prendre ça dans ton pack stack, bouge pas. Ça te plaisir. Nous autres, on a mis des chargeurs de plus, excuse, ma fille était à côté de moi et elle me parlait. Non, il a juste parlé d'M84. Non, les Charlie n'ont pas de chargeurs. Ah, j'en ai trois de plus, c'est beau. Un drum de C9. Ok, Larocque, on se fait un sous-channel. Bah, t'en as pas tant que ça, là. Comme tu veux. Aucune idée. Ouais, c'est comme tu veux aussi. Ouais, vous êtes habitué de marcher avec ça, total, j'ai jamais été vraiment. Non, mais non plus, et nous, on a toujours pas mal de petites voix. Ouais, c'est ça, ok, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Donc, tout le monde en a un supplémentaire. J'en ai pris deux supplémentaires. Ok. Bien journée, moi. Là, Gauthier, il faut que j'aille le voir deux secondes. Je viens de trouver que j'avais une facture à lui dans mes entrées. L'as-tu pris ou t'as pas pris? Ah, ouais, je l'ai pris. Moi, j'en ai combien? Ça paraît pas. Deux. Mais c'est quoi ce bordel? Non, je pense que c'était mon pack sac que j'ai ouvert. Effectivement, parce que moi j'ai le même poids. Puis dans le village, soyez vigilants, là, dimanche prochain, on avait spoté des blindés légers. J'ai. Fouille. Un BMP. Un BTR. Un 8 roues, là. C'est ça. Ok, c'est bon. Des affaires médicales. Un BTR. On fait le simple jusqu'au premier blague. Un M72. Ça fait la job d'habitude, là. C'est juste la distance qui. Tu peux l'envoyer par email. Surtout à partir de la petite montagne. Je vais te l'envoyer par email aujourd'hui ou à ce moment-là. C'est poussé. GF. Ouais, c'est ça, je suis en train de faire ménage dans mes papiers. Prends-toi donc un. Juste au cas où. Un UAV. Un contrôleur de UAV. Juste au cas. Charles, je l'ai pas jeté, je m'en allais jeter un paquet de contrôle. Ouais, je vais t'envoyer ça à soir ou demain. Good. Bon messieurs, quand on est prêt à partir, on se met dans le mur, un genou à terre, on a plus. C'est fait. Oh, peut-être un petit peu. Mais je suis en train de me mettre un genou à terre. Bon, tu relis quelqu'un, j'ai pitié. Voilà, premier firefight, là, j'ai comme... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une rafale qui va partir en pleine tête de quelqu'un, là. Mais je sais vraiment pas pourquoi, en tout cas. Ça va arriver pas, hein. Anyway. Ouais. Pas besoin oublie pas. De... Si ouais. C'est en arrière de mon casque, t'as des chances d'une cour martiale. Ça, c'est si on ramène ton corps. Ouais, c'est ça, c'est si on ramène ton corps pis l'autopsie. On ramène une colloque tag, c'est correct. Je suis pas sûr que l'ennemi il y a de la 5-5-6 netto. Je dis, ça prend une autopsie pour avoir une cour martiale. Ouais, il y a des lanceurs d'extra, ils trouveront pas grand chose. La botte de ta section est prête.
sonnerie envoyée à vous. On a-tu un petit 2 minutes ou on part imminemment? Imminemment. Imminemment papa? Oh, oh tabarnak. T'es gay en est-tu, toi, Yann de papa, là? Donc, ouais. Est-ce que tu veux, toi, hein? C'est moi qu'on veut tirer dans la tête. Oh, ouais. Putain, y'en a qui ont des bières. C'est le syndrome des dips, c'est toi, ça. Comment? C'est syndrome des bières d'avance. Toi, t'es jaloux? Mais toi, au centre, non. Fontaine va se faire une joie de te contenter. Hein, ah, Fontaine? Ouais, non, non, vos fresques psychologiques militaires ne m'intéressent point. Encore moins vos petits jeux dans les douches. C'est fini l'époque où ils partaient de chez moi en ayant mal au cul. C'est, c'est ça, c'est fait. Moi j'ai fait juste une demande. Si jamais on m'envoie en prison, je veux qu'on me donne du savon liquide. Et plus lent à ramasser quand tu l'échappes, hein? Ouais, j'aurais pu me laver de peau. Oh my god. Non, t'es forcé. T'es forcé en prison de te laver. Ah ouais, avec des savons qui sont attirés par le sol. Ah, je sais pas ça, mais c'est une loi, ça. C'est un savon magnétique. Ça, c'est la seule dans affaire. Dans son lestique du plomb, ouais. Ça, c'est la seule affaire qu'on peut forcer des patients et des prisonniers à faire, se laver. C'est une loi sur la santé publique. Bon, tu diras ça au monde dans l'autobus, c'est pas sûr qu'ils ont compris ça. Ouais, mais ouais, ça, c'est une autre histoire, ça. Le... Sûr, on va aller vers l'hélico à. Toi, Yaling. Pas de ceux-là. Oui, chef. India sur moi, let's go! Rodo. C'est neuf, n'importe. Quelqu'un qui a pris la place de la porte. Ouais, ça sera pas long. On va en avoir une de l'autre bord, par exemple. Ah, mais il y a deux C9. Ah, mais c'est un problème d'entendre l'autre bord. Ok. Ah, sacrament, le combat support fonctionne pas sur celui-là. Et c'est ça? V, c'est ça? Lol. Non, mais toi, il faut Corrado, right in the back. Tu as oublié de changer le call sign, puis là, il y a deux hélicos au même nom? Non, c'est Guardian 1 puis Guardian 2, je l'avais essayé. Back right. Coden ou ben. On peut pas t'aider là-dessus. Ah, c'est. Manque de place dans ce hélico là. Ok, excuse-moi là. Si tu veux une insertion en hélicoptère, il va falloir qu'on aille chercher le gros là-bas là. The Marines. Ah ouais? Ouais, lui il marche pas. Et... T'es sûr? Ça va le Nilco, ça marche pas? Ça rentre plus dans le Nilco? Non, on rentre pas tout. Puis le médical, il y a combien de places, JP? T'as-tu compté? Médical? Ouais. Il est pas combat support, lui? Ouais, il est combat support, mais je sais pas combien il y a de places par contre. La grosse Bertha va faire la job. Ok. Des griffons là-bas. Ouais, mais. Oh. J'entends déjà du mécontentement. Quelque chose qui marche pas. Oh. Tabarnak. Hey, on va essayer. Vous me dites quand tout le monde est là, là? Tabarnak! Ouais. C'est juste foutre la merde. Ouais. C'est pas ça, c'est fuck fuck, fucking fuck, c'est ça les fêtes. Ah, ouais, c'est vrai, aujourd'hui je parle de même. Eh, on l'a promis en tout cas. All in, JP. Roger, on est parti. Fat boy. Eh. On n'a pas l'option quand on est dans le dedans, mais je l'ai dans la tablette. Talk to pilot. Ok.
Caution, gear up. C'est normal. On va-tu mourir? Deux non. Heures. C'est normal. C'est quand tu vas entendre Sync Rate que tu vas aimer ça. Ah, oui, on va mourir, mais c'est normal. Sync Rate. Sync Rate. Sync Rate. Oh. Messieurs, c'est un, ouais. Messieurs, c'est une insertion qu'on fait là. Fait qu'il va nous faire un appel de fast rope. Fait que vous écoutez votre IC pour l'insertion. Faut pas qu'on débarque tout en même temps. Sync rate. Woot woot. Sync rate. Woot woot. Sync rate. Woot woot. Pull up. Pull up. L'ordinateur de bord ne fonctionne pas. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. A pris sa retraite, hein, Betty, tu savais? Qui ça? Betty. La voix, ouais, non, la voix de Betty, là, Betty, ouais, ouais. Betty dans les avions, ouais. Là. Ouais. Bah ben, la vraie Betty, la femme qui travaille chez Boeing, a pris sa retraite l'année passée. Oh, tu me niaises? Que ça va être qui? Ben, il garde sa voix pareille, là, j'imagine, là, mais... Ben, ça dépend pourquoi, là. Tu sais pourquoi c'est une voix de femme? Parce que, je sais pas. Parce que les hommes, psychologiquement, en partant, quand c'est une femme qui parle, qui crappe eux autres, sont portés à porter plus attention si c'est un autre gars. Tu me niaises? Non, ça a été testé, ça a été étudié. Une femme, elle est juste comme alors, sur les avions pilotés par des femmes, il y a des voix d'hommes? 5 secondes. Idée, là. 5 secondes, messieurs. Mais dans le temps, il n'y en avait pas de femmes qui pilotaient, là. Vas-y, ma belle brune, t'es capable de te poser, vas-y. Roger, on va faire attention. MJ1 alors. MJ2 alors. Wow, t'es si les gars sont clairs de se coller d'or avec un W. Ouais, là, c'est... On attend pas, là. On fast rope là? Standby, il va nous le faire, il va ça, nous le dire. J'ai compris tantôt. Ouais, quand on va être à proximité. Et qu'on est proche. Attention, c'est type constitué. Quand je nomme votre nom, vous y allez. Quand tu veux, Chabot. Narok, le blanc. Jeff Couture. Ouais, ça tangue ici. Tu vas faire. Là, il y en a un qui tombe en chute. What? Six, n'est pas une six. Gauthier à terre. Charlie, on sort. Charlie 2 au sol. Charlie 3 au sol. Je peux renvoyer la bébite. Par la route. Flindienne ou à 4.
Chabot, t'as répondu dans la radio là, pour la formation? Ouais, tu m'as pas entendu? Non, ok, stand by, je fais un swap de channel, je reviens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Channel de... switched. Peux-tu faire un test radio? Si t'as parlé dedans, je t'entends pas. JF, t'es pas censé être de mon côté? On va marcher pour tout ça. Merci Coden, j'entends pas les temps. Je me demandais si tu voulais j'apporte ta course. On vient d'atterrir, on a commencé à marcher, on s'apprête à traverser le premier pont de la ville dans à peu près 2 mètres. Affirmatif. Ok Charlie, un petit pas hors Morgan down. Bien sûr. On arrive à un pont. Charlie, spacing les gars dans votre attaque. On arrive à un pont. Gautier. Fontaine. Gautier. Parlez à gauche. Chabot. Fontaine. Couture. Chabot. Couture. Prochaine rue, on va tourner à droite. Fontaine. Ok. Chabot. Fontaine. Parado. Couture. Gautier. C'est bon, Chabot. C'est bon, Fontaine. Couture. Chabot. Couture. Charlie, il y a une approche du deuxième pont. Roger, on va le traverser aussi.
Virginia, on est sur Stage Endpoint. Traverser les bâtiments à gauche, on se rend dans le champ. C'est... Longe la rivière, passez le mot. On longe la rivière, passez le mot. On longe la rivière, passez on le mot. On longe la rivière, Codette. On longe la rivière. Aline. La colonne. Je coupe ta traversée. Charlie, qu'on va pas. On bouge. Okay. Pardon, last man. Le blade est accroupi. C'est quoi? Last man. J'aime ça, c'est bon pour les mollets. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Rita! Oh, last man. Okay. Attention, pas que rester à droite, messieurs, là. Charlie, faites attention à votre spacing. Deux envoyés. Traverser le deuxième pont, on s'en va tranquillement vers l'Overwatch, le premier. On va attendre avant de traverser la petite vallée parce que India 1 nous a dit qu'il y avait vu une patrouille que nous autres on avait prévu. Fait que on va aller faire un petit Overwatch sur la petite montagne à l'ouest de notre point Overwatch. Si on voit rien, on va traverser. On poursuit, je vous donne un separate en arrivant. À vous. Charlie, mettez-vous en marche pour 2 mètres. Charlie, on reçoit. Coden, tu m'as dit en main que tu sois correct? Ouais, je suis au-dessus de 2.
ça va le stamina? Aucun problème, all green. Roger. Nord-ouest, nord, il a l'air d'avoir un tour d'observation en haut de la crête. Vu. Charlie 1, je confirme. Il y avait un groupe de snipers là la semaine passée. Non, des MG. Je vois rien dedans, mais je suis dingue dans mon scope là. Si il y avait des jumelles, on pourrait savoir. Je suis en train de faire ça. Tu me confirmes ça? Plateforme simple, sans top, on a absolument rien là, à gauche et à droite. Reçu, Charlie, je procède. Je vais recommencer au port arme. Charlie, on switch au jockey. Encore 200 mètres, puis je bifurque vers l'est pour notre. Premier point d'observation. Bunker en haut à notre ouest. C'est là qu'il y avait des ennemis la semaine passée aussi. Tu m'entends-tu de vive voix, Shabbat? Je t'entends low là. Ok. À notre ouest, il y a un bunker fermé. Non ouvrable, il y avait deux infanteries là aussi. West. Là, on commence à l'apercevoir sur le top de montagne, là. Ouais. Ah, sauf que là, on bifurquait cette année, ouais. Excuse-moi, je t'en compte pour rien. Baseline sur Charlie. Et Charlie, là, je suis arrivé pas mal au maximum que je peux aller là, avant d'arriver au bord. Là. CD.
Corrado, tu devrais être à l'extrême, là. L'autre bord. L'autre bord de la roque, à ma droite. C'est numéro 3. C'est numéro 3, t'es entre Delta puis nous autres. Excellent, good job, man. Coordonnées 119-131. India 1, on a vu un groupe tantôt. Je sais pas combien, je me rappelle plus du nombre. Je vais lui demander pour confirmer. 1, ici 2. Pourriez-vous me redire le nombre sur la patrouille que vous avez vu, coordonnées 119-131? Charlie, on crève pas là, restez en arrière. Roger. deux, terminé. Entre 2 et 4 personnes. Fait que faites garde là, c'est au nord-est. Les deux bâtiments plus au sud devraient être corrects, mais faites attention pareil. On va crester maintenant. Puis on va vers où, là? La baseline, elle va tout croche, là. Moi, je m'en allais vers l'est, mais là, on rendu, on s'en va au nord-est. L'objectif est à l'est, là. Je vois un sniper à l'est. J'en ai un contact. Plein est. Dans le flanc de la montagne. Ah oui. Là, comment se fait que on voit le chat là? Le baseline là. Ouais. Alpha, on va avancer. Là. Les Delta sont vraiment trop avancés. Okay. Un baseline vers l'est, complètement vers l'est. Delta reculé, puis Alpha va avancer. Deux contacts sur le flanc de montagne, complètement à l'est. Peut-être en avoir d'autres qui vont monter, là, faites attention. Ouais. Il y en a un statique. Deux fois contact plein est dans le flanc de la montagne. Trop loin pour engager. On a un sniper puis un spotter. Un spotter se promène à droite là? Ouais. Sniper, ouais. C'est lui qui est statique là? Ouais. Le blanc? Ouais. Es-tu bon avec Charlie pour aller ramper pour aller chercher la prochaine petite butte au sud-est là? Yes. Juste en avant de vous autres là? Ouais. Charlie, on y va. À Phil ou on continue? Non, on va y aller en baseline. On y va en baseline, Charlie. Dis à Delta de se rapprocher. Je sais pas s'ils m'entendent. Dis à Delta de se rapprocher d'Alpha. Je vais prendre un peu de champ à gauche, comme ça je vois les contacts, sinon je les vois pas. Ouais. Corrado. Véhicule. Et eux autres, ils tirent sur 300 champ, mètres sur la route. Est-Nord-Est. BRDM armé. Direction nord-est sur la route. Tu proche de nous autres. Ah oui, je le vois. Ok. Ok. Il y en a un là, il est touffu là, mais il s'en va comme vers la gauche là, si on veut. Là. Mm-hmm. Il y en a deux autres. Delta BRDM nord-nord-est. J'avance avec plante ou je recite? Wrong channel? C'est qui ça? Je
Je pense que c'était la. C'était pas. J'allais dire Lara qui était avec nous autres. Ouais, Lara qui était avec nous autres. Ouais, ouais. Je pense que c'était la voix de Lara, mais je suis comme pas. Mais plante. Plante, c'est Indien. Alpha, Charlie. Si tu prends la section au complet, là, t'as fait reculer un petit peu, là. Vous pouvez contourner la colline sur laquelle vous êtes présentement. Il y a comme une petite vallée entre les deux collines. On s'enligne là-dessus, Charlie 1, Charlie 2, là. Que vous pouvez venir nous rejoindre du côté sud. Par le sud. Roger. Deux envoyés. Passer sur le long range. Deux envoyés. Là, t'as passé. Alpha, Charlie, on va prendre une pause avant de procéder. Là, notre stamina est pas mal magané. Reçu. Roger. Sunray, nous autres, on a une patrouille sniper spotter à peu près à 400 mètres en avant de nous autres. On essaie de les flanquer pour pouvoir les tuer rapidement sans se faire repérer. Ensuite, je te donne un set rep aussitôt qu'on est sur notre point Overwatch. On est à pré-Overwatch en ce moment. JP? Ouais. Il y avait un BRDM sur la route qui s'en allait nord-est. Ok, Alpha, Delta. Merci. On va reculer et on va se diriger vers le sud. Reçu. Alpha Delta en recul. Roger, terminé. Alpha Delta en recul. Oh, un petit bonhomme, je pense que ça va faire. Mais... Oui, ici, on est hors de vue de la patrouille. Non, faux. Cours pas. Alpha, Charlie. Ben, Coden, cours pas. Charlie, envoyé. Charlie, on va procéder là, jusqu'à la crête en haut. Voulez-vous qu'on attende avant d'engager l'ennemi ou vous voulez qu'on engage dessus? Si t'es sûr à 100% de descendre les deux, engage-les. Reçu, on va évaluer une fois rendu en haut. Vous suivez? Roger. Delta s'en vient, Charlie. On va prendre un petit peu plus au sud, nous autres. Bref. Merci. Alpha, Charlie, là, je suis pas assez sûr qu'on est capable de les avoir d'une shot, là, les deux, là, donc on va attendre à vous. Oh, attention, on va les avoir d'en face dès qu'on dépasse la crête, Chabot. Il y en a un qui est statique en ce moment. Ok, mon building sont droits là en plus. Ouais, on les a en dessous de nous. Ça va peut-être les alerter là. Mettez vos silencieux. Charlie, silencieux. Ok, c'est neuf, gardez-les off, mais engagez pas, sauf si ça dégénère. On a le
sniper en vue, mais on a perdu le spotter. Le spotter est nowhere to be seen. On va attendre une trentaine de secondes, voir s'il va refaire surface. Ouais, lève là. Il remonte vers le sniper présentement. Derrière un arbre pour moi. Ouais, il continue à monter, d'après moi, il va se redécouvrir. Ouais. Chabot, faudrait prendre une décision rapide. Ouais, non, Charlie a engagé. On a les deux en vue. Cease fire. Tu vois-tu le petit campagne en bas de nous autres? Coden? Je vois. Charlie 1, deux contacts engagés, détruits. Attendez, terminé. Tu veux que j'avance un peu pour avoir une meilleure vue? Non, je voulais juste être sûr qu'on avait un visuel commun. Et je vois juste le dernier étage. Moi aussi. C'est le bâtiment derrière qu'on voulait checker avant de traverser, là. Fait que on va probablement passer par là. Roger, bonne chance. Alpha, Charlie, on confirme là, les deux contacts sont down. Roger, Charlie, vous allez clear le compound à l'est, là, à droite, sud-est. Nord-est ou sud-est, je sais pas. Sud-est. C'est une Dian 1 qui vient de pogner le combat. Charlie Mauvais. Le temps monté sur la crête, couverture nord-est. On va l'aider, Delta, pour être sûr que. Copé. Y'a rien qui t'arrive, moi. Fontaine, viens sur moi. Coup de feu au nord-est. Ouais, c'est India 1 qui engage un BTR, etc. Couture, t'as-tu encore un visuel sur ton BRDM? Négatif, il est parti loin nord-est sur la route. Roger. Probablement lui qui est en train de se faire engager. C'est non triste. Fontaine, t'es sur le village là, j'imagine? Moi, vous me voulez sur quoi là? Vous pouvez enlever vos silencieux. Coden, t'es où là? Derrière toi. Ouvre les 6. 7 plus. Non, je m'en occupe. C'est pas je couvre le sud-sud-est. Je m'en occupe du 6 à JP. Mathieu? Ben, je peux commencer à descendre avec Delta puis ils viendront nous rejoindre pour accélérer les affaires. Ça te donne l'option? Ouais. Puis moi je vais aller faire un Overwatch avec Alpha. Roger. Roger, vos attentes envers moi? Alpha, Charlie, compound clear. Roger, dirigez-vous vers le prochain compound, Delta est en chemin aussi. Confirme le compound au nord de celui qu'on est présentement, à vous. Yes, sir. On reste ici? On a ouais. Alpha? Yep. On va aller de l'autre bord, on va aller checker Overwatch là, pour être sûr qu'il est beau de ce bord-là. Là. Delta, vous attendrez Charlie avant de rentrer? Delta.
avec Charlie. Sit rep. Ça se peut qu'on ait pas de couvert, les boys. Reçu. Wow, des flashbacks de ma semaine passée, ça. Tu vois la tour, Shabbat? Je vois la tour. Moi aussi. Je vois le camion Shabbat d'ici. Je pensais qu'il y en avait deux. Est-ce que tu vois le camion américain? Si on part de la tour, puis on descend à sa base, puis plus bas. Delta, une fois terminé, viendrait rejoindre Alpha sur le top de la crête. Terminé. Tu prends le centre de la tour puis tu descends à sa base, on finit par rencontrer un container vert. Ouais. C'est le camion américain qu'on a spoté. Faire barrage au sud-est avec BTR. Oui, BTR aussi. Je vois une patrouille en ce moment de deux autour. Trois. Ouais, un contact sur le haut de la tour. Dans la fenêtre aussi, premier, dernier étage. Oui, effectivement, je confirme. Premier étage des escaliers au sol aussi. Juste au-dessus du parasol. Dans la tour aussi. Ouais, confirmé. J'en compte trois là présentement. Et dans la tour. Barrage avec BPR à sud-est. Vu. Patrouille de 3. On voit pas. Remonté. Envers la chapelle. 50% du campagne défaite. Ok, vu. Roger. Je vois. Hey, tu peux rappeler à Sunray qu'il peut se coller un casse, hein? Sunray, c'est deux. Avez-vous pensé à vous coller un casse pour? Terminé, je continue mon overwatch. Alpha Charlie, compound clear. Brother, venez nous rejoindre là, on a du monde à la tour, un BTR, un roadblock à date là. On continue de regarder en attendant votre approche. Étonné, y'a rien au nord. Enfin, rien qu'on voit en tout cas. Dis donc à GF de s'approcher. À GF? Je t'entends. J'avais à mettre un sniper, je le crisserais en haut là. Ouais, hein? Sur l'autre but qui est en Overwatch là? L'autre bord? Ouais. 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 Je vois rien d'autre. Va falloir s'infiltrer dans la ville pour voir de quoi d'après moi. C'est ça, je regardais de mon bord. On a une rue là, assez principale qui nous permet de le traverser est-ouest là. Ouais. À moins qu'on essaye d'aller chercher justement l'Overwatch à gauche. Je pense qu'on pourrait pas voir de quoi de plus. Dans la ville, là? Ouais. Puis les échafauds, là, genre, là? Ouais. Je comprends. Ouais. Quoique, si on scanne comme faut l'arrière de ça, le nord-est de ça, là, c'est notre gang d'Overwatch qui pourrait s'en aller là pendant que nous, on rentre. Ouais, c'est un fait. Eux auraient un très bon surplomb, à mon avis.
Puis il serait plus proche qu'ici site pour grêler, faire du cover. Ah, c'est pas ça, c'est... Deux envoyés. Roger, est-ce que vous avez un retour de prévu? À vous. Roger, on va continuer à faire un Overwatch. On a peut-être un deuxième Overwatch qu'on va tenter d'atteindre pour faire de meilleures observations. Si on est good to go, on va clearer. Sinon, on va caller Sunray. À vous. Moi aussi. Ok, non. Oh, comme surélevé sur un bunker, eux autres. Fait que tu dis? La tour est surélevée sur une plateforme de béton. Fait que ça veut dire qu'il faut trouver des escaliers pour monter là. Ouais, elle est faite sur une espèce de monticule, de hein? Ouais. Ouais, elle est sur je un sais toit. Exactement par où. Ça va être la galère. On approche votre position par l'ouest. Okay, moi j'ai les jumelles là. Ouais. Si tu regardes là, en bas, t'as pas le mouvement. Contact ouais. Sur la rue juste devant le campagne. Ouais, on vient de le voir passer effectivement. D'ailleurs, j'en vois un autre juste derrière le camion. Okay. Ouais, ben juste au-dessus de ça, là, il y a des palmiers. Oui. Ça descend exactement par là. Ah, je pense que je vois les marches du site. Je vois les marches du site, il y a des petites barrières rouges à droite des palmiers. Ben, il y a des. Ouais, je sais. Ben, ça à gauche, descend. Ou à droite, là. Ouais, on ouais. Ok, il y a des marches pour monter là-dessus, autrement dit. Roger. On vient de, vous avez vu la troupe qui est sur la route là, devant nous, là? Ouais. Et rendu en tout des... tu as vu plein est, là, derrière le... Parce que tu me disais le camion, le truc, le carré vert, le cube ouais. Vert. Ouais. T'as quelqu'un. Ah, oui, je le vois. Derrière une petite barrière ouais, hauteur de taille. Je l'avais pas vu et je l'ai vu quand j'ai vu passer les autres. T'as raison. T'as pas vu ou tu l'as vu? Là, on vient de le voir. Je l'avais pas vu, mais maintenant je l'ai vu. Ah, il y a des marches là! Ouais, je pense. Ok, ça sûr, descend mais, là. C'est une barrière. On peut pogner du côté nord. Ah ouais, ok. On voit déjà le monde sur le top de la tour ouais. Militaire. Tu remarques là, en dessous de la tour, il y a un flag. Au nord-est sur la route. Oui. Il n'y a pas un flag, mais un parasol. Le parasol, ouais, 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 ok. Et à gauche de ça, si tu descends, il y a comme une barrière rouge. Vu. C'est des trous d'escalier, ça? Ouais. Copé. Il y a un gars juste en dessous de ça. Fait okay. Qu'il va falloir swatcher. Ça veut dire qu'on peut rentrer nord, on peut rentrer ouest, puis je te gage qu'on peut faire la même chose est à ce moment-là. Ouais, absolument. Il y a un arbre en avant de moi. Ouais, est, ça a l'air d'être un mur à pic, là. Un blindé. Parce que les escaliers percent. Ouais, c'est ça. Les escaliers semblent percer ce mur-là à un ou deux endroits, là, côté ouest. C'était là dimanche passé. C'était un road. Ouais. Il y a des gars avec aussi. Ouais. Un minimum de 3 personnes dans le tour. Ouais. Ouais, on a le visuel okay, sur la tour est là. On a du monde en patrouille des rues aussi. Ouais, 3. Le gars sur le top, c'est un sniper, hein. Oh, le buter. Ouais, il y a du monde partout. Ouais. Comme ça. Ouais, il y a du ménage à faire, hein. Là on est ouais. À combien? 300 mètres environ? Je pense que c'est pas fou que India, que le groupe en support attire le feu pendant que les infiltrés font du ravage. Ah non, oublie ça, le groupe en support. Ah ouais? Ils ont jamais quelque part? Ils sont expatriés. Ah, ok. Ils ont pogné un nœud. Ouais, fait que là, moi pour avancer, là, j'irai ah, faire oui, un autre Overwatch. Ce qu'on a dit. Là-bas, non? Ouais. Oh, ouais. Sud SS bloqué. GP on me. Attends, tu dis t'es un amateur de riz. Oups. De riz? Ouais. Ouais, j'aime ça. Là-bas. Là-bas. T'as des petits pénis. Bloc. Hein? T'aimes ça les petits pénis? On parlait pas de riz il y a deux secondes. C'est ça que je dis. Ok, d'accord. Il y a plusieurs points d'entrée dans ce coin-là. Il y a aïe, du monde qui protège le dessus. Parce que c'est comme vous avez sur eu le visuel sur le BTR élevé, là.
Ouais. Okay. On le voyait bien de l'autre bord, mais il y a l'arbre. Ouais, non, c'est ça. Je te dis de mémoire, il y a un groupe de 3 ou 4 qui font le tour de cette espèce de rue-là en U qui fait pratiquement nord-sud du village. Ouais, il y en a un dans le bas. On repasse une fois de temps en temps. 3 d'entour qu'on a spoté dans les marches du bas aussi. Ah, il y en a un dans les marches, oui. Puis si tu spots d'ici, tu dois. Peut-être que je l'ai perdu de vue moi-même. Oui. Est-ce que tu prends la tour, descends, oui. Premier parasol, ou est-ce qu'il y a le gars juste en arrière? Patrouille, on a à l'est ouais, du BTR, fois deux hommes démontés qui se dirigent vers l'est. Qu'est-ce que tu disais? Boîte verte, continue à descendre plus bas. Boîte de camion vert, c'est notre camion américain qu'on cherchait. Tu convois, là? Ah, à gauche du parasol. On va y aller, Continue à descendre, la tour, parasol, continue à descendre encore, tu vas tomber sur une boîte verte, container. Ah, ok, juste à droite d'un parasol. Il y a un parasol à sa droite. Oui, exact. Puis à gauche en diagonale, tu vas tomber sur la tête d'un gars qui est peut-être caché par une feuille de palmier pour toi, mais il y a un gars à gauche de ce container-là aussi. Ok. T'as-tu vu des peupliers? Oui. Continue à gauche, Charlie. Des peupliers. Attention aussi, il y a du monde. Stand back deux secondes. À gauche de la boîte du troc, les peupliers de droite complètement. Si tu vas au bout du peuplier, là, regarde, il y a comme un troc là aussi. Ouais, ok. Blanc? Non. Ah non, tu parles sur le top en haut? Turquoise, là, je sais pas trop. Ah, ouais, j'arrive pas à d'être... J'avoue, je sais pas c'est quoi ça. Oups. C'est un M113 qu'on voit extrêmement mal de loin, ça. Ouais, je sais pas. Encore, je vais aller voir ici. Boîte Charlie, on voit en même. Ouais, je suis là. Je suis droite là. Je suis blanc. Je suis droite là. Là, c'est parce que t'es en train de m'expliquer quelque chose. Ok. Pacha ou El Paso. Ok, dans le fond là, on va redescendre par où est-ce que vous êtes en venu. Et si tu regardes là à ta gauche là, peut-être là, un petit point, une petite souris de merde. Peut-être là, on aura un beau Overwatch là qu'on pourrait checker vers le sud là. Ah Chris, oui. Fait que je veux m'en aller là avant de faire une entrée, faire de l'assaut. Reçu. Fait que tu veux qu'on fasse le tour de la montagne? On est capable de descendre le sniper de là-bas, on va le faire. On descend la montagne, on fait le tour, puis on s'en va là. Exactement. Adieu. Charlie, let's go. Charlie en mi. Charlie 2, Charlie 3 sur Charlie. Je me dirige vers l'ouest. Fontaine, on les suit. Sonnerie envoyée. De la map, ça. Roger, Sunray, nous autres on procède vers Overwatch numéro 2, je vous donne une coordonnée dans pas bien long. À vous. Mike, c'est quand tu veux. On va avoir la paix tant qu'on ne sera pas rendu en plein milieu. Je vois absolument rien en périphérie, moi. Le gars tout seul, je me demande s'il est tout seul. On voit pas grand chose. Hein. De l'autre côté, ils ont l'air d'avoir toujours un gars tout seul à garder les véhicules. Il y a probablement une patrouille autour. C'est un visuel, toi, sur ce qui est au-dessus des peupliers, là, les espèces d'herbes en ovale, là. Ouais, le machin turquoise. Vert là. Et turquoise, là, c'est quoi ça? Je sais pas, dans ma tête, c'était un parasol ou un barbecue, donc tu vois. Ok, c'est bon. Je sais pas du non, tout ce que c'est. Sans jumelles, je réussis pas à déterminer ce que c'est, moi non plus, là. Peut-être un M113 défiguré par la distance, un peu, là, une boîte carrée quelconque, un Humvee. Non, il y a des espèces de pieds en dessous. Là. Ok, ça serait. Ok, c'est pas un véhicule donc. On a au moins ça dessus. Non, ça ressemble à une. Alpha, let's go! Charlie, on bouge. Pour info, le groupe 2 est sur silencieux. Tout le monde sur silencieux. Ah, bah là, fallait le dire avant qu'on bouge.
Ok, standby. Nord-est. Oh. Tabarnak. Alerté. Ah quoi, cette blague. Nord-est. Contact détruit, y'en a d'autres. Ah, on est tous les deux du même côté. Ouais, là je vois rien. On va l'autre bord. Le bled. On se fait engager, y'a un rocket, y'a un rocket. Shit. Oui, on se engage. Je te suis, Coden. Essayez de les choper. Alpha touché. Là ici. Faut que je retourne sur le IC parce qu'il est touché, Coden. Okay, fais attention. Faut quoi, c'est neuf. On essaie d'avoir un visuel avec. C'est correct? Ok. C'est 9 suppression. Réduis ta cadence, Fontaine. Va surchauffer ton canon. Coden a un bon visuel au bord de la roche. On l'a rejoint dessus, Chabot? Pardon? Coden a un bon visuel sur l'autre bord de la roche. Côté est. Ouais, ouais. On va disperser le feu un peu. Allez. Ceasefire, ceasefire, ceasefire. Pas mort, sont pas mort. J'en ai un qui touche la tête. Est-ce qu'on continue? On fait changement. Attends, Jeff. Essaye, Jeff. Ouais. Monsieur, ça fait rien. J'ai blessé, je pense, je devrais. Non, non, j'ai un tourniquet, mais. Tu peux juste te tasser de langue un petit peu, viens non plus proche ici, s'il te plaît. Oh. Ah merde. Fontaine, t'es toujours vivant? Je swap mon barrel. Large velocity. Oui, je suis là, live. 5 secondes. Ouais. Quoi, je ferais mieux de te stitcher le premier. JF, t'es toujours up? Affirmatif en traitement présentement. À vous. Roger, après ça, on a du monde dans Charlie qui ont besoin de toi. Deux secondes, puis t'es prêt pour ton attache en bière quand t'auras le temps. Je te laisse t'enlever ton tourniquet. Ouais. Alright. Charlie, je pourrais bouger. Le med s'en vient vers toi avant de commencer à bouger. Alpha bon, 2, on peut faire ça, mais quand je vois dans le bâtiment, là. Hélicoptère au nord en ouest. Roger, let's go. Charlie, on bouge. Il y a un Apache au nord. Reçu. Wow, 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 wow. Ça tire de l'ouest, ça tire de l'ouest, ça tire contact de l'ouest. Ouest, dans le cul, fois. Dans le cul, dans le cul. C'est pas le chopper qui tire ça. Un down, deux down. C'est pas l'hélico qui nous tirait dessus? Négatif, l'hélico il était friendly, c'est deux gars à l'ouest qui nous tirait dessus. Je viens de regarder là, à notre gauche, y'a personne. JP, ils sont morts. Positif, là, j'suis en train de sweeper. C'était du gros calibre, ça. Deux contacts. Sont down, sont down. Nord-est, c'est la route. Ah, au loin, là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Fais le tour des gars. Fontaine, tu check okay. Le 6. Hey, comment tu pointes? Fontaine, on t'entend pas. Retouché, toi? C'est ta jambière? Ouais. Ok, tu l'as pour 2 minutes, par exemple. T'as pas choisi le meilleur spot. Charlie, ta gang est encore vivante? Ouais, on est up and running, on est prêt à bouger. C'est comment ça descendre, Charlie? On y va. Delta, tu peux y aller avec eux autres. Fontaine, viens-t'en. Deux contacts étaient en train de s'en aller sud-est après la ville. En bas de la montagne, à notre est. Ils sont alertés. Ouais, ils sont alertés, puis il y en a un sniper, je pense, le premier. Il y a un long fusil. Ou c'est une MG.
vois pas le... Il arrive au, à la barrière, là, genre un peu cimetière. Le premier parasol que tu vois à droite de la ville. Ah, ok, oui, je l'ai. Ouais. Le long de la clôture, parfait. Le blanc, tu vois-tu l'entrée là, du bâtiment, là, direct après le petit chemin de palissade? Là. C'est bon. Fait une petite maison rouge, okay. Là. Odette, on descend. Juste en haut de ça. J'aurais vu. On s'en va là. Il a été silencieux en esti, deux soldats dans notre cul. Que des Charlie rendus à clôture, on va faire une file simple sur le bord de la clôture. Le blanc attend la petite pause stamina là. Ouais, je vais juste au bout de ça là. En tout cas, celui-là, c'est beau Shabbat. Delta, breaché quand vous êtes prêts. On procède. Go Alpha. T'es à genoux Shabbat. On enlève les silencieux. Hélicoptère explosé dans la montagne, nord-nord-ouest. Ah, vous êtes pas mal groupés, je trouve. Penchez-vous, les gars, penchez-vous. On en a d'autres là-bas. Multiples contacts sur la route se déplacent du sud vers le nord pour ensuite bifurquer vers l'ouest. Ils s'en viennent dans notre direction. Deux contacts à date. Sur le toit. La Rock Corrado, oui, j'ai un contact là entre les deux bâtiments. Ah, c'est vrai. C'est beau là. Elle là, là? Ouais, entre les deux bâtiments. Ouais, clear. Sur le toit. Ouais, le toit de la tour. Il y en a un dans les marches de la tour, ouais. Aussi. Ah là, un autre clear, bâtiment, okay. Genre le bâtiment brun, là, comme style, comme lui que j'étais pointé là. Oh, t'as un peu d'abord. Ouais, il y avait un gars sur un toit comme ça, je me souviens plus quel bâtisse là. Je pense que c'est celle-là, là. En vue. Ah, il est genre à droite du genre petit carré sur le dessus de toi. Hein. Ouais, non, je vois pas, il y a trop d'arbres. Okay, ah, il y a un apprenti. Ah, la c'est tour. C'est sûr, il y a un sniper. Voyez-vous la tour, là, parce que tantôt, on va pouvoir la breacher, là. La tour est droite là. Ouais.
le premier plateau des marches, ici, je le vois là, entre deux palmettes. Ouais. Peuplier, là, il y a un gars dans les marches. Ouais, vu. Je sais pas si ça a été vu au nord. Je t'ai entendu, mais je te vois pas. Dans ce tour-là, il y a au minimum 3 contacts. Minimum. Il doit en avoir un en bas, il y en a au moins un sur le plateau-là, puis il y en a un sur le top pour sûr. Contact dans l'espèce de château d'eau au nord-est. Contact château d'eau nord-est. Ouais, ça ressemble à ça. Non, je vois pas. On voit j'ai un hit de place. Ouais, on le voit. Sur le point de ta place. Ben, je t'en ai ici pareil. Château d'eau. Oui, château d'eau. On peut peut-être venir ici plus vite. Ouais. Ah, il est loin. Non. Ouais, c'est juste que c'est un sniper. Ouais. En bas là. Je sais que l'autre rue qui est à côté, à droite, là, il y a une patrouille qui a... est dessus. On pourrait longer cette route-là pour essayer de rentrer du côté nord du building. Là, je vois les trous, là, sont... On passe par la route qu'il y a là. On attend à l'intersection, là. Où ça? Que les deux patrouilleurs qui sont là viennent nous voir. Ouais, je le vois. Je te remercie. Il gardait en tête comme un BTR là. Ouais. Medic, Charlie 1. Medic, envoyé. Je m'en viens de voir, là. Faut que je me fasse traiter de ma blessure de tantôt, là. Et faites ça vite. Je suis à l'ouest dans votre 6. Vas-y, GF. T'en gardes mon décor? Ouais, je m'occupe de ça. Stitching, 4 secondes. Ouais. La tête. Il y a un contact là. Regarde ta tête, y'a rien. Tu perds beaucoup de sang toi depuis? Une tête vide. En haut de la côte? Ah non, il venait pas perdre du temps que ça, j'ai mis un bandage élastique. Ouais, parce que t'as même pas de peintre, fait que t'es all good, mon homme. Exactement, mais c'est parce que. Une grosse prune. Cool, merci, GF. C'est top. On est encore loin là, mais... Ah ben peut-être. Et il va alerter tout le monde. Mouvement nord-ouest, mi-montagne. Incapable de confirmer si c'est allié ou ennemi. Besoin de jumelles à vous. Il va checker ça. Ça doit être le... Nord-ouest. Le gars de tantôt qu'on a mis à terre qui est pas mal. Un véhicule sud-est derrière les armes. Je peux pas vous dire c'est quoi. Un camion, je peux voir, chapeau en haut. Bâtiment, là, à ma droite, là. Ouais. Un étage de plus. Non, mais je vois quand même très bien, là. Patrouille là, Gauthier. Ouais. Mike. Attention, quand t'es pas mal sur le bord, tu peux tomber en bas. Il est caché derrière les armes. Couture, tu peux-tu me redire la position de ce que t'as spoté? Nord-ouest, mi-montagne. Environ 500 mètres sont à découvert entre deux lisières d'arbres en ce moment. J'ai une patrouille à l'est de la tour. La route qui est à l'est de la tour, il y a une patrouille qui va et vient. Oui. Reçu là, nord-ouest, là, c'est deux fois infanterie démontée avec Kalachnikov puis C6. Ils se dirigent vers le sud-ouest, ils sont alertés, mais ils n'ont pas l'air au courant de notre présence. Premier, c'est pas un sniper, ça? Oh. Là-bas. Négatif, c'est leur équivalent de la C6-C9. Là. Ils ont aucune idée qu'on est ici. Non, d'après moi, c'est l'hélicoptère. Si tu recules en arrière dans l'ancien il y a un hélicoptère déclaté dans la montagne. D'après moi, c'est des rescapés de ça. Il y a un UA dans la montagne, là. Un personnel. À gauche, caché par la maison. D'après moi, c'était du monde dans l'hélico. Charlie 2, Charlie 3, venez en bas avec Charlie 1. Charlie 2 AFK pour une minute, moi je suis correct. Mike? Ouais. On va aller
parce que t'as Charlie, ils vont tirer deux balles chaque quand on va essayer d'atteindre le sniper là-bas. De quel? Le sniper sur la tour. En haut de la tour? Dans la tour, il y a au moins trois personnels. Hein. Tout le monde s'accroche là. Faut faire attention aussi là. Cette patrouille qui vient là, virer deux dans le concept. Là. Le sniper allié là. Roger, Sunray, on est à peu près à 1 km du landing zone. Deuxième patrouille nord-nord-ouest, plus haut en montagne cette fois, semble suivre les traces de la première patrouille. Négatif, Sunray, nous sommes rendus approximativement 1-2-3-1-3-0. Dans ton micro d'ailleurs, tu vas pouvoir lui dire exactement. Roger. J'ai une patrouille coordonnée avec un BTR 1-2-4-1-3-4 qui va peut-être être un problème pour nous autres si vous voulez vous occuper de tout ça. Sur la route, deux contacts. Oh. Au bout de la route au-dessus. Couture, t'es toujours sur Netflix. Affirmatif, vous avez entendu pour la deuxième patrouille qui suit les traces de la première, nord-ouest. Reçu. Encore ça long, hein, j'avais. Ouais, ils viennent de sortir ouais, dans le creux. Pas dans le creux, dans le croche. Deux terminés. J'ai un contact au sud, hein. Mais bot, on a deux contacts gratuits, là. Ouais, j'ai un contact au sud. Au bout de la route, juste devant le mur. Hein? Quand vous voulez. Probablement que vous le voyez pas d'où vous êtes. On tac en deux bâtiments avec un machine gun. Ouais, celui-là on l'a vu, je vais m'occuper du sniper avant. Ben c'est sûr que la patrouille... Quand t'es pour le sniper. Tu veux me péter? C'est loin à l'ouest on dirait. Couture, t'as-tu du visuel là-dessus? Relatif, ça semble au-delà de ma vue à l'ouest. Capable d'engager la patrouille, Charlie? Les gars là sont cachés par des arbres. J'en ai un visuel là, mais ah, je vais oui, le perdre. On serait capable. En trois près, j'ai des véhicules là. On serait capable. Genre là. Ouais, là, là. Deux patrouilles alertées se rapprochent de nous à notre nord-ouest, à environ 400 mètres de notre montagne. La pointe 50 sur vide. Personne qui a dit go, les boys. Je vais peut-être avoir besoin d'un support côté ouest. La pointe 50, la pointe 50, c'est beau. Le sniper. Sniper, c'est à tour. Ok, allez, viens sur la tour. Y'a un gars qui descend de la tour. Dame, mais il est pas mort. Cet contact est toujours vivant, il vient de traverser. Le contact qui était là. On a manqué. Il y a du mouvement dans la tour, dernier étage. Ben là, on va pouvoir y aller, là, on a plus le choix. Là. Je sais ouais. Pas pourquoi ça tire. Ouais. Ok, Charlie, on va descendre, on va prendre celui-là. Hey! Il marche, ça fait pas en arrière. Par en arrière. On repart par. Charlie, sur Charlie 1. Gordon va rejoindre Jeff. Mais attends, le sniper est toujours en... Sniper toujours en fonction. Fontaine sur moi. Charlie, attendez-moi. Je suis ici, Colin.
Tu ferais mieux de faire un autre mur si tu veux avoir un meilleur visuel. On a deux contacts en plein dans le zéro. Charlie, silencieux, off reset. Là, ils viennent de passer tout droit, ils sont alertés, ils vont se revirer vers nous éventuellement. Est-ce que tu vois 300 mètres devant, 12 heures? Oui, ok, je les vois, ouais. Ils viennent de passer alertés. J'ai un autre double, une patrouille, deux personnes. Un petit peu plus, en fait, nord-ouest, quand je les ai perdus de vue, ils rentraient dans la forêt, dans le creux. Mi-montagne. Ils vont peut-être apparaître au niveau du village bientôt. Mais ça, notre chemin de retour est fermé. On va leur rejoindre Charlie Delta. Copé. On a deux gars alertés dans ton droit devant toi. Ouais, et ils vont. Par Chabot. Contre, ils sont dans l'autre sens là. Ouais, je viens de te pointer. Là-bas? Là, non. Ils sont rendus à peu près là. Ah oui, c'est bon. Puis il y en a un autre encore nord-ouest que j'ai perdu de vue à mi-montagne parce qu'ils viennent de tomber dans le creux de la forêt là. Ouais, ok. C'est bon. Là, ils sont alertés, ils vont venir. Parce que je pense que l'explosion était dans le creux. Le petit creux tantôt qu'on a fait le campound là. Ouais. C'est là que ça crépite, j'entendais. J'ai jamais vu la colonne de fumée, mais c'est par là qu'ils se dirigent, les deux soldats. Là. D'après moi, c'est là que ça vient de péter. On va bientôt les perdre. Deux CA. Ok, on les a perdus. On les a perdus, ouais. Tu veux que je descende d'un étage? Ouais, descendez, on va leur rejoindre Charlie Delta. Happy. Du coup, Delta, la flaque drill après vous autres. Vous êtes où? Continue, longe le mur. Ici deux. Ah ouais, ok. Ah oh, ben, d'après moi, NG1 a sauté pour une deuxième fois. Ça sonne ça. Oui, gars, tu vois, il en faut un autre. Ah boy, ils l'ont refait voir. Quand tu vois Crossroad là en bas à gauche là, c'est toutes les calls de Combat Support. C'est pas... Delta, vous êtes rendu où? Ils étaient pas censés faire l'Overwatch pour nous? Ah, je les vois. 200 mètres sud-est. On arrive à la petite intersection là, tu nous vois-tu? Une fois Charlie. C'est trop bas, Chabot, mais continue plein sud-est, on arrive dessus sur toute la gang là. Une fois Charlie, contact en haut de la tour, le sniper là, il est pas down. Du moyen de l'acheter. Je suis visuel sur le sniper, je peux tirer. Ça va me prendre stamina. Ok, garde, ils sont juste là, Chabot, devant nous autres, dans la rue. Ouais, vu. C'est quand tu veux. Merde! Misfire, désolé. Ça va, c'était pas dans mes baskets. Flag drill! C'est beau, Chabot. Ouais, j'attends qu'il se relève. Vas-y, couture. Je crois que Cooper aurait pu l'engager, va. Hey, y'a un gars sur le toit ici, là. Définir ici. Charlie! On continue? Continue, Charlie. On y va. Il est en haut là, là. Le sniper nous regarde là. Ok, là. Ouh. Pas de visuel, je traverse. C'est bon, Gauthier. Beau fantôme. Avec toi ou j'avance? Ah, t'as peur, reste. C'est bon. Okay. J'ai ton six. Essayer d'y envoyer une balle dans la tête, c'est tout ce que je veux. C'est bien. On est pris au moins deux ou trois. Coup de feu. Chabot. C'est vous autres qui engagez? Ouais, j'ai descendu quelqu'un sur le top. Vas-y, Jeff. Copy. Tu couvrir. Vas-y, Chabot. Vas-y, Chabot. Vois son canon qui s'aligne. On a une patrouille qui passe des fois sur ce rue-là, fais attention.
sur un tube à la tour. Okay, go. C'est un CAS, ça? C'est quoi, ça? C'est un CAS américain, ça, c'est une minigun. Ou c'est un griffon? Il y en a de tirer où est-ce qu'on avait des patrouilles devant nous tantôt là. Là on s'enligne-tu vers la tour ou pas là? Allez, wow. Coup de feu sud. Faites attention, on a pas de contact dans votre EO. Multiple contact dans votre EO alerté. Il y en a dans la montagne au nord, puis il y en a dans le village là qui se sont poussés entre nous et l'Overwatch. Charlie, j'ai la tour en visuel. Black grill, les boys. On continue les collègues. Vas-y, le blanc. Vas-y, le rock. On y va? Ouais. Ok. On lève mon sac. Ça arrive. C'est beau, Fontaine. Black grill, let's go, let's go, let's go. Vas-y, le rock. Charlie, l'accès au nord est bloqué. On fait le tour vers l'est. Roger. JP, es-tu capable de m'envoyer un grenade launcher sur le sniper? Oui, ils ont tout bouché pour faire le choke point sur le... Ouais. Toujours pas mort, lui? Garde-toi. Oups, il a passé tout droit. Faites attention, elle va retomber. Ok, Charlie, on vire d'abord, on s'en va vers l'ouest. Ça passe pas vers l'est. Je suis blessé. Soyez avisé, Charlie, il y a un contact quand vous allez passer à droite, l'autre bord du premier muret. J'ai un véhicule à visuel. Il y a un container blanc que je vois à ton sud, à ta gauche. Delta 1 blessé à la jambe, a besoin de soins. Il y a un gars à la base de votre gauche. Il y a un container blanc, puis il se pose avoir du monde là-dedans. Exact. À ta gauche. Au pied de la tour, Sunray, nous sommes au pied de la tour. À vous. C'est bel et bien. Roger, décide de Chris. Roger, Sunway, dirigez-vous vers le blanc down, le blanc qui est allé. Il y a un BTR à l'entrée de la route. Là-bas, t'as peut-être pas au point. Shit. Contact down. Jeff, essaye de sauver les autres. On sécurise, let's go, Corrado. On rentre. On va voir. Dès que vous avez passé, je ramène. Fuck. Non, deux qui aillent, confirmé. Container clear. Frag out! C'est quoi ça? Y'a quelqu'un dans la rue à notre ouest. Ça tire de où là? À l'ouest dans la rue. Y'a quelqu'un à notre ouest dans la rue là, ouais. Godin, je viens de me réveiller! Hey! Y'est là! Fuck! Y'est là. Je sais pas d'où ça tirait. User left your channel. Wow. Nord, à l'intérieur du campagne avec nous, je l'ai tiré, je sais pas. Ah, il est mort, c'est beau. Il est down. Attention, tourne le coin, mais fais attention. Qu'est-ce qu'il faisait quoi là? Fouille bouée. Il y a un gars à l'ouest encore. Gravement blessé, moi. Ok, Delta, laisse Charlie aller. Tourne le coin. Sit, Corrado, la porte sit. Quel Charlie qui est-ce? Corrado. Corrado. JF, tu veux prendre le coin? Copy. Vas-y, passe. Oh, clear. Je vois des coups de feu. Je vais checker ton west, là, c'est d'un coup que ça arrive de la rue. Je vais te tirer par-dessus toi, fait que lève-toi pas. Ouais, mais par contre, attends, faut que je change de position parce que le corps qui est là me bloque la vue. Ok.
Est-ce quelqu'un? C'est ça, on est en train de se faire poivrer là. Non, non, c'est bon, c'est Chabot qui tire par-dessus toi. J'enlève mon mon silencieux là, je pense qu'il sert plus à rien. Ouais. Ils savent où ce qu'on est, hein. On va faire pareil. Je pense qu'ils savent qu'on est là. Fontaine, tu check la tour. Jeff, combien de temps? Bien sûr. Chabot, es-tu toujours up? Ouais. Jeff, j'ai fait. Je suis patché temporaire là, on peut bouger là. On win the fight. Non, mais on va Ah ouais? Ah! Veux-tu qu'on se consolide ici? On soigne tout le monde ici, puis après ça, on continue? Ok, ben j'ai juste besoin d'un stitching. Y'a-tu du monde qui a besoin d'intervention ouais. En ce moment? Toi? Ouais. Moi, j'ai besoin de je suis blessé au bras, moi. Copé. Le stitch. Merci. Moins de 5 secondes. Puncture, je te fais un élastique de suite. C'est quoi déjà pour laver nos astis de lumière de lunettes? Contrôle Shift T. Contrôle Shift T. J'espère que je pitcherai pas un obus, là. Ben, pas posé. On peut éviter, ce serait bien, ouais. Ah, y a forcément quelqu'un stitching à l'est. Stitching 3 secondes. Assez. Alright, je te laisse enlever ton tourniquet pour que tu le regagnes. Hey, attention, Chabot, je prends ta place pour Coden. Je vais le soigner pendant qu'il. Oh boy. Ça va peut-être avoir de la misère à viser pour le reste de la soirée. Pour l'instant, ça va. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai failli enlever son tourniquet au lieu de. Non, pour GF, l'instant, c'est resté stable. Ouais. Ça va être bon pour une autre formation TCC. Non, non, c'est juste un accrochage de menu. Une formation menu. Mauvaise option. Ouais, c'est ça. Oui. Avulsion, c'est réglé. Non, c'était avulsion élastique. À part ça, JP, t'avais-tu d'autres mondes enregistrés pour besoin médic? Surveiller la tour. C'est tout? Ok. Oh. Surveiller plus la tour? Ça, c'est nous autres qui tirons ça nord-ouest? Un Chabot, je ne surveille plus la tour. 2 secondes stitching, Coden. Ok. Checker tes 5 vitaux avant de te donner le morphium. C'est correct, Carado? Ouais, c'est clear. Ouais, je pense qu'il est temps que j'enlève le tourniquet alors. La morphine, je suis pas sûr. Je surveille le coin, aïe, je peux y aller. Voyons, je vais laisser. Ah? C'est mieux, je surveille le coin, je peux y aller. Ok, ben, c'était correct pour la. On a 2 Charlie à côté de toi, je sais plus c'est qui l'autre. Ah ouais. Corrado ou La Roque. 13 des tourniquets. Est-ce que je te laisse les enlever pour que tu les retournes, les remettes dans ton inventaire? Et fait. Oh putain, attends, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est d'autres qui tirent par-dessus nous. Dire, Il y a du monde en haut, hein? Envoie une grenade en haut. Roger. Ah, mais à côté de moi, il est pas mort? Hein? Ouais, ouais. T'es sûr? Ben, il n'y a plus un qui tient leur fusil, en tout cas. Je sais pas, moi, je l'ai. Je l'ai dans le menu médical, en tout cas. Ah, ouais, ouais, on peut toujours aller dans le menu médical, mais. Ok. Ok, mais moi, là, je vois rien ici. Hein. Oh, ah. Shit. On se fait sortir. Des ricochets. Des shrapnel. Ouais, c'est normal ça. Et de qui? J'entends un véhicule. Véhicule. Ah ouais. Asti, c'est tout le BTR qui se déplace, ça, ça va? Je pense, ouais. Ouais, hein. On sait longtemps, on va back. Le BTR est en mouvement, les gars. Rentre en croisé. Rentre. Ça flash, quand même. Je vois des traçantes aller plus loin que nous, à l'ouest. Ta botte, juste en face là, juste ici là, en arrière du IDAP là, il y a un petit passage, puis je suis sûr que ça monte. Il y a définitivement un véhicule, attention, il y a un véhicule en mouvement là. Véhicule en appareil. Ta botte est en ouest. Oh, nettement. Ah, Charlie avec toi. Puis Delta. Allez-y, je vais garder. Charlie Delta sur moi, let's go! Les autres sont-tu corrects? Oui, sont finis de patcher. Corrado, t'es all green? Yeah, all green. Wow! Roquette! Non, ça. Nous, ça? Peut-être. Corrado? Yes. C'est beau. Ça va te coller sur le container, puis on s'en va au fond, oui. Au sud. Let's go. Fontaine, est après ça. Let's go. Quelque chose dans le container. Attention à droite.
L'autre, on va y suivre tranquillement. Coden, tu vas passer en premier. D'accord. On les suit, tu dis? Ok. Jeff, vas-y, je vais te couvrir. Parfait. Checker ce coin-là. Vérifier ce qu'il y avait là-dedans. Une fabrique de... Jeff, tire-moi dans une grenade ici en haut, là. Genre, stand, stand by, on est proche. Ok, ouais. Il y a une action sur le camion en arrière de nous pour l'investiguer. Ouais, inspecter le cargo. Veux-tu le faire pendant que je te couvre? Ouais. Le camion est vide, aucune trace de l'ogive nucléaire. Ah, copé. Est-ce que tu veux que je... Les gars, on parle d'un ogive nucléaire! C'est où? Moi, je suis prêt. Tu vas c'est moi qui vais la lancer. Continue ou je garde watch sur la tour? Je fais quoi, mais je vous attends pas ou... Il y a des tirs à notre ouest, dans notre bord de la rue. Flashbang en montant! Go! En véhicule! Il y a quelque chose qui tire dans la rue, là, à notre ouest. Clear. Ah, c'est bon. Roden, vérifie la petite ruelle là, pendant que Buff Jeff en monte, on va te couvrir. Pressing. Yeah, let's go. On t'assauve, on clear le bâtiment. Ouais, on va faire ça. Link up, Fauten, je m'en vais à ta droite. Flash. C'est bon. Non, on va pas flasher pour ça. Ah, ouais, on va flasher. C'est bon, Fauten, je suis Delta. Better. Let's go, Coden. Flash out. Go. Deuxième étage, Corrado en premier. Vas-y. Avance parce que j'ai pas de. Ok, Jeff, puis Coden. Ouais. On s'en va vers le nord. Here. Balcon. Coucou, vas-y. Ça va être un balcon, flash. Je pensais. On rentre avec Delta ou on continue, nous autres? Non, on continue. Hopé. Tour à gauche. Tu vois, j'étais. Ouais, c'était une balance. Ouais, il y a quelqu'un au pied de la tour. Corrado, t'es-tu encore avec moi? Oui. Coden, vas-y en premier. Il y a quelqu'un au pied de la tour. Fais ta pointe de tarte. Veux-tu qu'on y aille? Ta botte? Ouais. Ah non, il est couché sur le premier palier, les gars. Je peux peut-être la voir à travers. T'es donc? Ceasefire! Exact. Ouvrez notre six, les gars. Yes. Ouais. Corrado. Ouais. Fauten, vas-y avec eux autres. Tu rentres. Ouais. Raquette. Faites la flasher. Fuck la flash, on l'aura jamais. Tu rentres en courant. Pas tu veux que je les suive? Ok. Coden, non, tu restes avec nous autres. 2, 3, go. Yeah. Même good chose, job. Même chose, sip. Deuxième étage. Porte à ma droite. Est ouverte la porte, attention. C'est correct, va stacker l'autre, excellent. On a un ordinateur. On a un ordinateur ici avec une pièce, on va flasher la pièce. Continuez à breacher, nous autres on va monter. Okay. Yes, Coden. Yes. C'est quelqu'un qui a un toolkit dans notre gang? Je sais pas. Tu veux que je passe devant? Ouais. C'est quoi ça? C'est eux qui flashent en haut. Mais quoi que ça, c'était une frag. Ça s'appelle breacher à grenade. Si, ouais. Je suis blessé. L'ordinateur est encore bon. Ah, c'est bon. Ben, c'est mon chose qui s'est défaite, là. Ouais, je vais commencer à m'en. Ah, oui, parce que je vois pas de blessure sur toi. Faut que tu sois debout pour embrancher des marches. On peut encore le pirater le PC. Flash out. Go! Deuxième étage clair. Ah, ça va être plaisant, Pas flasher.
Non. Ok. Tu veux qu'on suive ou on va mettre un jardin? Tu essaies de trouver le portable? Ouais. Oh, derrière la table. Ouais, il est dessus. Tu peux aller voir accès derrière la table. Body dead. Je suis capable de faire de quoi dessus? Body dead. Tu as besoin d'un toolkit pour pirater l'ordinateur. Top de la tour éclairée. Faut trouver un toolkit. Redescendez là, est blessé, on va s'en occuper. Comme la tour clear. On redescend. Let's go les gars, on redescend. Deux fois contact non alerté. Nord-est, référence la citerne d'eau. À droite de la citerne d'eau, deux contacts. Battez le véhicule en mouvement, on l'a entendu rouler encore. Ouais, elle le sait, il est peut-être juste allumé puis il roule pas. Oui. J'ai deux contacts que tu pourrais aligner ici. Je te dis pas. As-tu piraté, c'est fini? Ah non, on a besoin de toolkit, je suis pas capable de le pirater moi. JP, t'as-tu un toolkit? La tour d'eau en montagne. Négatif. Deux gars à droite, nord-est. Au sol. Je vais arranger ça, donnez-moi deux secondes. T'es vois-tu? Corrado, il est où? Qu'est-ce que t'as boire assez loin, ça? Ouais, ben je l'ai juste montré les contacts. Ouais, on a alerté pour moi. Ouais, JP, c'est au nord. Ah ouais? Ton fontaine, il est où? Il est en haut. User left your channel. User joined your channel. Ok, c'est de l'artillerie qu'on voit là. Le piratez-vous le PC ou pas? On peut pas, ça prend un toolkit. Ok, suis-moi Kodam, puis Corrado. Ne bouge pas. Ah, effectivement. Corrado, je l'entends là, il est dans cette direction là, le véhicule là. On va monter sur le toit, essayer de le poigner avec ton M-Sandu. Tu m'entends-tu? Ouais. Donne-moi deux secondes. Ah, tabarnak, t'as pas assez de place dans ton. Tu l'accompagnes ou. Les gars à tour sont alertés. Ah! Les gars au réservoir sont alertés. Ok. Bye. Alors, je suis plein, moi je suis médic. Ah, c'est ça. Yes, ouais. On attend un véhicule. Allez au sol. Tirez pas du M72 dans la pièce. Ouais. Hey, Une RPG, le gars ici. Voyons, Chabot. Ouais. Ben, dans ton. Tu recheckeras deux fois dans ton inventaire, je pense que t'as un toolkit. Tu l'avais pas vu en partant. Refusal. Dans ton backpack. Ah. Ah, ouais. Sud-ouest. Hey, c'est don d'adon, ça. Faut que tu viennes faire l'option sur l'ordi. Ouais. Pirater PC en orange. Friendly, ça, tu vois-tu coder? Non. Ben ici. Ouest, sud-ouest. Un de béton, il y avait trois personnes. Deux personnes. Ça a l'air d'être friendly ici. Ça a l'air, mais ce serait bien de vérifier. JP, il y a des fichiers sur le top. Es-tu capable de faire de quoi avec ça? Non, je pense pas. T'as-tu piraté l'ordi? On a un visuel sur trois personnes au sud-ouest. On sait pas si c'est friendly ou ennemi. Sud-ouest. Ça a l'air friendly. Ah, ça se peut, India 1 était dans ce coin-là, faites attention avec vos contacts. Ouais, ce serait India 1, ça. Va leur répondre, Chabot. Ouais. Deux. Leur dire qu'on a la tour, là, qui nous tire pas. Deux, présentement, la tour est sous contrôle, a été sécurisée. On a de l'intel sur un ordinateur qu'on est en train de récupérer. On attend plus d'informations sur votre position à vous. Attention au véhicule, toujours en mouvement. T'as des tâches qui ont apparu aussi, Chabot. Je le vois pas. Il est censé. Deux reçus, là, tonic. Reçus. Oh! T'as moi. Touche-toi. Feu. D'où est-ce que ça sort? D'où est-ce que ça tire? C'est du FF, ça? Je sais pas, mais j'ai eu de la. Futation, j'ai eu de la suppression ici, là. En table du sud, exactement. Un ici, deux. Je n'ai aucun visuel. Un ici, deux. À vous. Ah, ça c'est mauvais signe, ça. La botte, moi je descendrai. Je continuerai plein sud. Pour continuer sur la section du BTR, okay. Je pense qu'ils viennent de l'avoir. J'ai, je pense, India 1 qui est sous feu à... Où est-ce qu'on leur tire dessus? Par là-bas, il y a le BTA, les boys. Let's go! Charlie Delta sur bord descend, let's go! Ok, go.
Alpha, on va suivre. Attention, couture, on descend. Vas-y, je suis dans le chemin. Ah, ça, ça coca. Il est parti en feu. Excellent. Le bois, là. On les suit, Chabot, tu dis? Attends, attends, il y a une Dia. Je sais, ils sont, ok, ils l'ont eu. Ils sont juste de l'autre côté de la maison, Indien. India sont sur place, India sont sur place. Ouais. Roger, on s'en prépare à vous engager, on a cancellé la dernière. À vous. Est-ce qu'on descend? Roger Sunridge, j'ai un visuel sur vous en ce moment. On est au nord dans la tour. Roger Sunridge. Tout le monde en tour. On va grimper dans tout. Ah bon. Retourne en haut. Ouais. Roden, pas en haut, sur le toit là. C'était pour ceux-là qui étaient sortis en bas. Attends, j'ai... Excuse-moi, je t'ai pas entendu. On a du friendly qui vient du sud, Moi, je suis en mode nous rejoindre, Todden. Affirmatif. Friendly sur la route du sud, en Akak. Ta botte, commence à penser si tu vas aller chercher le blanc pis la rock. Et patcher tout le monde, là, qui voit tout là, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Le blanc pis la rock sont-ils avec India 1? Je pense pas. On va faire leur demander là, mais il va vouloir faire un plan de match avec toi là. Ça pourrait être intéressant d'aller les chercher, je pense. Link up. Allez, chachotte, montez. Hey. Y'a pas bougé depuis... Ah ben, la visite! Gauthier, tu veux qu'on monte tout en haut? Négatif, c'est ton groupe. Ah, c'est ok, Charlie, vous espérez être en bas. Yes, c'est tout, Chabot. On a breaché ici. J'ai réussi à pirater l'ordinateur. Y a de l'info qui a été marquée dans le Intel. Et là, non, je crois. Non, Intel. Ouais, ça, c'est la règle. Maintenant, on a juste dans ces trois états, j'ai le tremblé, l'expression de centre de ce soir. Permet également d'établir une zone de pressurité lors de l'occasion. Les nouvelles ont été assis. Le convoi USA, il y a un blindé en bas du côté ouest. Il y avait pas d'ogive dedans. Il n'y a pas d'ogive dans celle-là? Non. Non, mais c'était bien le camion du convoi, par exemple. C'était un camion du convoi? Ouais, c'était le camion. Mais la GV est plus là, là. Qui est vide, là. Ouais. Et donc, ils ont pu transporter avec un fast mover. Un fast mover? Ils ont pas fait atterrir un. C'est t'as pas de sens. Ah, Star, tu peux le hooker. Ils l'ont lancé dans l'air et ils l'attrapent au vol. Exactement, c'est jamais, hein. Comme dans Batman, là. Bon, c'est armé, tout est possible. Hey, on va te chercher nos amis qui sont à la base pour le dernier assaut? Hein? On va te chercher le blanc et contact on a des cajotis, nous autres, sur la des cajotis de votre bord? Nord-est. Ouais, il est rendu okay. 10h-10. Je te donne ma place, tu veux regarder? On a le temps, là, okay, c'est 3 minutes à y aller. Stando nord-ouest, le long, il y a une petite, pour ce qui est du un balcon autour en haut. Ouais, je vois ça, là, il y a deux gars, il y a un gars en haut. Yes, un, parfait. Un F, là, c'est vide. Ok. C'est-à-dire, il reste juste à voir ici qu'est-ce que ça donne. Du côté, ouais, 1-1-5, 1-1-8. 1-1-5, 1-1, ouais, exactement. Ça veut dire, on peut coller un Z. Le chat, tu n'as pas entendu tirer. Ah, j'ai entendu, un coup de... Tu n'as pas entendu boum, tu sais, j'arrive avec le gun. Parce qu'il y a un silencieux. C'est quoi qu'on fait, là, il l'a descendu, s'il a tombé. Tu n'as pas entendu tirer. On va jeter tout le monde du reste au LZ, bravo. Okay. Bravo, là on s'éloigne. LZ Alpha à la limite. Ah, LZ Alpha à la limite, mais sauf que les autres vont être dans une vallée, tout ça, c'est juste pour ça. Est-ce que c'est broke pareil là? J'ai jamais entendu tirer. Non, c'est vrai qu'il y a comme. Non plus, j'ai rien entendu quand il a tiré. Chabot, j'ai entendu comme un coup de silence. Il y a combien d'hommes à toi? Il y en a un autre, hein? C'est à gauche de la tour, juste en bas. Green, green tout le monde?
Je pense que oui. JP confirme. Coden, est-ce que tu boites? Ah ben ça dépend si JP est médecin. Moi je boite. Ah ici Coden, non je boite pas, mais j'ai un peu de mal à viser, mais rien de monstrueux. Ah non mais je suis correct, mais si on me retouche là, je boite là. Ok. Go, good. Ça veut dire on va envoyer India 2 sécuriser le Z Alpha. Ok? India 1 va rester ici en couverture le temps que vous vous déplacez, vous sortez de la ville. Une fois que vous êtes sorti de la ville, India 1 va quitter la ville et va se diriger sur LZ Alpha avec vous autres. Pendant ce temps-là, nos petits mouk-mouk à la base vont se faire transporter au LZ Alpha. Oh, Seigneur. Good? Dis-leur de. Il sait qui est là. Sais-tu que. Là, est-ce que Plant tu penses. Est là-bas, Plant est mort. Ah, Plant, fait qu'il va être capable d'utiliser Combat Support. Good. Ouais. C'est bon ça. Good? Oh. Landoc monte en haut de la tour. Corrado. Yes. India en bas de la tour. India en bas de la tour. India 1. On est deux, non? India 2, India 2, correction, India 2 en bas de la tour. Ouais, ok, ça c'est moi maintenant. Ça fait yes. Genre 6 mois que je suis India 1. Attends que tu veux passer, vas-y. T'as-tu dit grosse défaite? Mets LZ Alpha dans ton micro dagger. Je l'ai, je le vois là. Link-les, mets un waypoint, puis check ta boussole. T'es en haut en bas? Ok, ça sera pas long. Je peux aller monter. Ouais, ton élève, tu sais. C'est une Point ton groupe, tout le monde en haut. Y'a-tu moyen de cliquer juste sur la map pour mettre un waypoint? Ouais, tu cliques sur le plus. Ouais. Juste pour info, les gars qui étaient au château d'eau au nord-est sont plus là. Non, ils sont abattus. India 1 les a tirés. Plus. Okay. Ouais. Tu double-cliques dans la map où tu veux aller, ça va t'ouvrir de quoi. Par la suite, on va se diriger sur notre approche numéro 3. C'est bon? Coordonnées 114118. T'assurer que Bonaza puis Corinto. Sont, pas non, c'était pas le plus que okay, c'est le crosshair. Tu veux qu'on reste dans tout aussi. Sur le crosshair, tu es capable de bouger la map. Là. Double clic sur Azalad. Je sais qu'il n'y a pas de renforts qui s'en viennent d'ici puis on se voit tout en train de partir. Ok. Non, j'attends ton call. Je monte tout le monde en tour. Monte tout le monde en tour. Donne-moi deux petites secondes, okay. Ça va être fait. Il y a deux, tout le monde en tour. On prend des positions de défense. C'est long, est-ce que c'est long? Degrés dans la tour. Pour moi, il est encore à monter Bello, est-ce que Eh non, je suis même pas à l'est. ok, attends, il est là. 1.4 km. Let's go. LZ Alpha, right? C'est bien ça. Ouais. On sort par là. Paris 7, on peut pas y aller vers le nord. India 2 dans le tour. On sort par l'ouest. India 1 dans le tour. On a un escalier juste à ma droite. Corrado, tu bois-tu ou tu manges? Non, non, c'est. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, on a un escalier juste à ma droite, c'est là. Ouais, c'est ça. Let's go. Vas-y. Non. Attention dans les escaliers. Delta, vas-y. Ouais, scan les horizons, là. On veut juste pas de renfort. Phantom? Oui. On veut le tombe non, mais j'ai besoin de la boussole. T'as besoin de la boussole. De la petite ligne rouge. On aime ça, les boussoles. On est descendu et marche. Descends 7 là. Descends 7, 7, 7, 7, 7. Ouest, ouest. Ouais, ouais. Ok, pas d'entour les gars, là, on se fait un périmètre 360 degrés, on veut scanner. Encore. Faites attention, il y a peut-être des crottés hein, dans la ville. Ils partent à l'ouest, là, ils sortent de la ville. India 2 par là. Scoot Jeff. Oh. Contact nord-nord-est. Correction, nord-nord-ouest. Nord-ouest, ouais. Contact abattu. On continue. Baisse-toi, continue. As-tu des blessés? Ouais, je sais pas, j'ai entendu positif, que c'est pas grave. Attention à la maison derrière de toi. On va rentrer ici, on va breacher. C'est pas DM14. Là, il est mort. C'est bol. Qu'est-ce que t'as fait là? Je l'ai... Il était pas mort. Ah, clair, ça, ici. Ah, mais ça a fait un drôle de son, c'est ouais, ça? Bizarre, hein, ouais. Il est cette... Oh. Jeff? Ouais? Tu viens faire Becky Bobo à Corrado. Copy, je viens d'entendre un tir nord-nord-est. Au torse puis au bras gauche. Ok. Vu.
Je te mets ton équipe comme assez, je vais m'occuper de ton torse après. Je veux qu'on aille là, non? Ouais. ETA 60 secondes, JP. Roger. 60 secondes pour le rehab. Ah, tu y étais, excuse-moi. Non, tu es. Ah, viens prendre celle-là ici, au pire. Je vais lui plaquer, je pense. Ouais, l'escalier, c'est pas clairé en haut. Oui, faut que je lui sente. Bah, viens avec moi, JP. On va passer en premier. Alright. Quand tu veux. 60 secondes. On laisse le rehab, je vais prendre un stitch. C'est clair. Même pas que t'es capable de monter. Stitching 10. Ah, bah, je qu'est-ce que tu dis là? T'étais pas mon Charlie 1 avant, toi? Il me semble que t'es capable de faire ça. Ouais. Falcon. J'enlève ton tourniquet, grouille pas, je vais te donner une saline. La douleur, oh, qu'est-ce que ça dit? All white lost a lot of blood in pain. Ouais, mais je parle, t'es-tu capable de tolérer visuellement ton effet de douleur ou tu veux absolument de morphine? Oh, ça va être correct. On va checker le heart rate là. C'est médium, mettons. Ok, ben je pourrais t'en donner une. T'as assez de... T'es assez excité par la douleur. Yeah. Je la donne? Ouais. Pas le temps d'exciter les soldats, là, GF là. Non, il est excité par sa douleur. Je peux lui donner une morphine, ça va le calmer un peu. Ouais. Sinon, il va parler aigu bien vite là. Comme moi, dans le fond. Douleur est partie. C'est beau, terminé. Très aigu. On peut partir quand tu veux, Chabot. On repart, nord-ouest. Corrado, let's go. Essaye de pas te faire tirer cette fois-là. Je passe ici. Ouais, pardon. Vas-y. Ben, j'aurais pris l'autre bord, mais c'est correct. Y'a pas des escaliers ici? Pas d'âme. Ah, ça se peut, ouais. J'arrive. Parfait. Ensuite, en descendant. Je passe devant. Allez. Roger, sera pas bien. On continue. Sacrement. Roger, sonnerie en mouvement. On pogne la grosse rue là, pis on va la remonter. À droite? Ben par là, là. On monte, let's go. Et après ça, la prochaine grosse rue à gauche. Henri, site là. Passe à gauche, passe à gauche. Ouais, il site à gauche. Back drill. Go, vas-y. Et encore this. C'est beau, Fontaine. Jeff. Commence à avancer tranquille. Beau Fontaine. Jeff. C'est bon. Ah, si tu restes penché. Ah, c'est pas grave. Continue comme ça, je me suis décalé. Back drill au coin de la rue. Corrado. Je vais prendre le coin. Épanché, couture. Aussi. Merci. C'est beau, Fontaine. Good job, Corrado, on continue. Chef. Là, tu regardes en avant, quand t'es le premier de fil, là, on se calisse des Fontaine. Coins. Là. C'est bon, vas-y. Ça arrête un spot à flag drill, mais c'est pas grave. Mort, lui? Ouais. Ouais, il a l'air mort. On continue, regarde en avant, t'as pas à regarder en arrière. Pour pas. Bon, on va te piquer au moins. Oh, ouais. Et si on manquait leur shot avec l'advertising de cette pancarte là. Pause stamina. Pas mal sorti si t'en penses. Hein? Sunrise c'est 2. Back drill, on continue. Sunray, on est pas mal sorti de la ville. La route, ouais, on suit la route. À bouger, là, on traverse la route. 30, on reste à gauche de la route, mais on suit la route qui est à ouest-ouest-nord. Okay. C'est beau, Fontaine. Yeah. Gun down, messieurs. Soyez avisés que deux sections de deux infanteries ont été repérées vers la direction où vous dirigez, Charlie. On passe en ACAC sur la route.
À la CAQ, ça route. Corrado, mets ton gun down, tu vas économiser de la stamina. Soyez avisés aussi qu'au sud-ouest, sur le top de la montagne, il va y avoir des alliés US qui vont se présenter bientôt. Deux. Contact, un bon groupe d'ennemis, sud-ouest. Des Américains. Où ça? Confirme, Américain ou non. Ça a l'air d'être ennemi. Négatif, négatif, c'est Américain. Américain. On confirme Américain, Américain. Je le vois même pas. En dessous des palmiers à gauche, là, ouest-ouest-sud. Ah oui. Un Américain. Non, on breach pas, let's go, on continue. Là t'es pas pire avec ton micro dagger pour aller là où il faut qu'on aille. Continue, continue, continue. Okay. Je suis pas sûr que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Techniquement, c'est plein ouest le Alpha LZ. Ouais, En théorie, ça devrait être plein ouest à partir ouais. De ça. C'est par là-bas, là. Attends. Ouais, c'est par là. Je sais pas pourquoi mon waypoint est. Et sous, let's go! Ah, j'ai pas dit sur le bon waypoint. Ah! C'est quoi tu disais? Il est sous. Ah ouais, ça m'a pas mis. Ok, les gars, spacing, on est en ligne, let's go là! Chopper allié plein ouest. Chopper allié plein ouest. Chopper allié plein ouest. Coden, ta stamina, ça va? Ouais, c'est bon. Un beau 3-6 en arrivant, passez le mot. Un beau 3-6 en arrivant, passez le mot. M'entends-tu, Fontaine? India 3 ici, 2 miners à vous. Fontaine, tu m'entends-tu? 2 miners, là, avez-vous visuel là, à votre 3 heures là, dans la vallée? On a, c'est du friendly qui s'en vient sur votre position à vous. Excuse-moi, ménage de piton. Et vous avez des gars avec des Gatling guns sur votre chopper. Fontaine, tu m'entends-tu?
Bon ben, Chabot, je fais tout mon possible, mais le message passe pas à vive voix. Thanks, Pat. Je communique là, long range pour India 3 qui est en haut dans l'hélico. Happy. En position sur LD. Roger, start un 3-6 pour laisser la chance à... Ah! 15 pour un, c'est l'autre, hein? Il y en aura pas de facile. Tabarnak! 360, messieurs, 360! Tu m'entends-tu, salon? Positif. Quand les lacs ont une fumigène, ça va être plus exact. Checker le chopper, les gars, là, laissez les zones, il va atterrir autonome. Là. Pop in smoke, purple, GP. Done. Ouais, on l'a en visuel. Là. Ça va être drôle. Ouais. Il n'y en aura pas de facile. Faites attention, ça se peut qu'il joue à saut de mouton là. Contact à l'est. Je pense que friendly, friendly. Friendly, friendly. Débarquez, 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 débarquez.
Windia 2, de nord-ouest à nord-est. Blanc, tu peux être placé en avant là-bas, là, au même hauteur que. C'est bon, je sais pas si ça vient, puis la vidéo clé. MD! MD, c'est quoi la vie de la section 1? Il n'y en aura pas de facile à soir. Ah non, non, pas dans ça. Dia 2, finalement on continuera pas la mission, on va arrêter là, on va se repousser vers la FOB. Puis on va continuer peut-être avec une Ricky de bonne heure la semaine prochaine pour l'overpoint qu'on était censé aller chercher. 2. Pour info, on a une grosse Bertha s'ils veulent pas jouer à saut de mouton. Je pense que c'est ça qui va caler.
Non, ils ont collé les deux petits. Mais ils ont passé. Roger. Qu'est-ce que c'est? Là, l'autre, il est en train de lander sur le top de la colline, là. Ouais, l'hélicoptère a atterri sur le... juste à côté de moi, là. Il repart. Ah là, t'es rendu pas mal trop loin, Coden. Recule là, en position. Dia 2, chopper sud-est, chopper sud-est, il est déjà en terre. Ça va être correct, il va prendre ma place, moi je vais me transporter d'une autre façon. On board. User left your channel. User joined your channel.
Tabot, allez-y sans moi. All in. Tout le monde est inside. On prend les gunners. Négatif, il te manque du monde, il te manque plante, le blanc pis la roque qui s'en viennent. Tu diras à plante de manœuvrer. Roger. Plante, c'est toi qui manœuvre l'hélico. Je suis reçu. On retourne en base. Allez, on est là. 1 et 3. RTV, c'est la Ford avancée. Quoi? C'est bon. Ben, les autres aussi. Find Dex de toute façon. Index. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Pas notre meilleur. User joined your channel. Ça, t'étais pas deux? Ouais, Jeff Couture est pas à la même place. You were moved. User was moved to your channel. Ouais, 4, 5, 6, 7, 8, tout le monde est là. On va commencer avec Coden. Ouais, belle mission, pas grand chose à dire, ça s'est bien passé. Je pense que on a fait sa job ce soir là. Pas grand chose d'autre à dire, c'était bien. D'accord. Baroc. Ça s'est bien passé, mais à part le fait qu'on s'est fait pogner par un gars qui était dans un choke point, puis de dégommer les deux, moi pis le blanc. À part ça, avant que ça arrive, ça allait super bien. Pour le reste de la mission, je peux pas dire que j'étais pas là, mais j'ai quand même bien aimé ma soirée, c'est tout. D'accord. Corrado. Pas mal les mêmes affaires là. En général, ça a bien été, c'était bien le fun. Et pas mal ça. Pas plus que ça, c'est ta première mission, man! Ben, c'était bien cool, qu'est-ce que je te dis? Mes deux partners se sont fait dégommer, j'étais bien triste, mais j'ai continué à fond, c'est pareil. T'es plein de merde, si t'étais triste, tu nous aurais ramené à la maison sur tes épaules. Calice!